C'est quoi l'effet de serre naturel? Sans l'atmosphère, il ferait trop froid pour permettre la vie sur Terre. C'est parce que l'atmosphère contient des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur par un processus qui s'appelle l'effet de serre naturel. Le Soleil est le moteur de toute vie sur Terre. L'énergie du Soleil est à l'origine de la lumière et de la chaleur sur Terre. La moitié des rayons du Soleil est renvoyée par l'atmosphère ou absorbée par celle-ci. L'autre moitié atteint la surface de la Terre. Une partie des rayons qui atteint la Terre est renvoyée dans l'espace. C'est l'effet d'albédo. Finalement, c'est moins de la moitié des rayons du Soleil qui réchauffent la surface de la Terre. Grâce à ce réchauffement, la Terre produit elle-même un rayonnement sous la forme de rayons infrarouges de grande longueur d'onde. Une partie de ces rayons s'échappe de l'atmosphère et est renvoyée dans l'espace. Une autre partie des rayons reste emprisonnée à cause des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Ces rayons sont renvoyés partout et retournent vers la Terre. En effet, il y a un échange constant entre la Terre et l'atmosphère de rayons de grande longueur d'onde. Cela provoque un réchauffement. L'atmosphère joue un rôle d'isolant thermique. C'est l'effet de serre naturel. C'est grâce à ce phénomène que nous avons une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre. Sans effet de serre, il ferait 33 degrés de moins.